Nous sommes les jeunes du centre Mosaïque de Cambrai à Martin. Aujourd'hui, nous allons dans les coulisses du Furet du Nord. Dans mon rayon, c'est l'entrée scolaire, donc les commandes de manuels, de livres, de fiches de révision, on commence à avoir beaucoup de stocks. C'est aussi important parce qu'on a la rentrée littéraire, et en fait c'est tous les nouveaux auteurs très attendus, et c'est aussi les livres qui vont être pris ensuite pour les prix Goncourt, prix Renaudot, etc., etc. C'est le moment où ça joue aussi les ventes de l'année, les ventes de Noël. Mon moment le plus important, c'est au mois de juillet, au mois d'août, les premières semaines de septembre, où là, les clients vont venir pour faire les listes de rentrée scolaire. L'actualité du moment, c'est qu'on commence à recevoir les calendriers, les agendas 2023. Le terme, c'est libraire, du coup. Et après, donc on est là pour le conseil client, mais aussi, et avant tout, on est gestionnaire de notre rayon. Achat, vente, gestion de stock, mise en place de rayon, parfois de la caisse, parfois de la compta aussi. Soit on a le siège qui décide ce qu'on va recevoir en fonction de l'actualité, en fonction de l'auteur. Par exemple, on a des tables de présentation, on va mettre en avant en fait des calendriers, ce genre de choses. Dès que c'est sur une table, ça va tout de suite attirer l'œil des clients et ça marche toujours. Ils nous ont aussi renvoyé un fond de vue, du coup, sur le W2. Là, oui, c'était conseillé quand même de faire, évidemment. Et on choisit en fait. On choisit ce qu'on veut commander, on choisit ce qu'on veut dans nos rayons en fonction des ventes qu'on a, l'habitude de nos clients, c'est ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Donc là, on arrive sur le quai. Et en fait, c'est là où toute notre marchandise arrive. Donc tous les matins, toutes nos marchandises arrivent dans les bacs comme ça. Et après, chacun prend son petit bac et on va dans son rayon manger tout ça. Et en fait, le stock, c'est pareil. Quand on bip un livre, on voit depuis combien de temps il s'est pas vendu. On peut le retourner et ça fait baisser notre stock. Alors, on a plusieurs techniques. On a déjà un rayon clair. Très très important. Quand on a des livres qui sont tous en tranche, ça a du mal à se vendre. Par contre, les grosses sorties, les nouveautés, on les met toujours en face, donc le facing on appelle ça, et ça permet du coup d'attirer le client et ça se vend très bien comme ça. Alors en manga, on a beaucoup de One Piece, Tokyo Blue. Après les livres en ce moment, c'est beaucoup Musso qui vient sortir son dernier livre. Les bandes dessinées, c'est tout le temps les Tintins, les Spirou, tout ça c'est toujours à la mode. La plus grande vente actuellement, c'est le groupe de rap PNL. La K-pop, ça marche très fort actuellement. Donc Blackpink, 80s, tous ces groupes-là, ça marche très fort. C'est ma BD préférée, oui. Celle qui faut absolument lire, c'est ça. J'ai vu une publicité en arrivant tout à l'heure. C'était mon héros quand j'avais une dizaine d'années. Ça s'appelle Corto Maltese. Ah là on est dans le rayon Harry Potter, parce qu'on est fan d'Harry Potter à la maison. Là on a le Stephen King qui vient d'arriver, qui a l'air super pour la littérature et manga. On a le One Piece, on a le tome 22 de Tokyo Avenger, merci. Et on a des séries super sympas qui viennent d'arriver, on a Animal Crossing qui marche plutôt pas mal en manga aussi.